Et je crois qu'on calcule mal, pas du tout, la plénitude de sens qui nous est attribuée par la grâce et que nous révèle le Seigneur par sa parole. Ce serait un enseignement peut-être plus léger que ce que je vous ai donné avant le repas. Et quand je vous ai parlé cet après-midi de ce qu'est le sang versé d'un chrétien, ça pour moi c'est un des plus bels enseignements. Personnellement, c'est, wow, c'est une vraie lumière pour moi. C'est une vraie révélation. Alors j'aimerais vous parler, brièvement quand même, parce qu'ensuite on va prier avec vous, chacun et chacune d'entre vous, nous allons vous bénir, si vous voulez être béni, bien sûr. J'aimerais qu'ensemble, nous voyons quelques titres qu'on donne aux chrétiens. Par exemple, en Matthieu 5, 45, le Seigneur dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. » C'est déjà un titre. Nous sommes fils de notre Père. Ensuite, en Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5:5, la parole nous dit « Tous, vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. » C'est très beau, hein? Nous sommes des fils de la lumière. Ce n'est pas une invention du Nouvel Âge, du New Age, hein? C'est chrétien, profondément chrétien. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Un peu plus loin, le Seigneur dit, dans sa parole, en 1 Jean 3:2, « Maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons, bien sûr, n'a pas encore été manifesté. » Et en Jean 12, 36, « Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir fils de lumière. » Ça, c'est des titres qui nous appartiennent. Nous sommes fils de lumière, fils de Dieu, fils du jour. En Luc 16, 8, par exemple, je répète bien sûr, « Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée, car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. » Nous sommes fils de la lumière, et bien sûr, étant fils de la lumière, on ne peut pas faire n'importe quoi comme les fils de ce monde. Bien sûr. Et souvent, on est victime. Tu comprends? Alors, ça revient tout le temps. Et Jésus, en Luc 20, 36, nous dit, « Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Fils revient tout le temps dans nos titres glorieux. Ils sont fils de Dieu étant fils de la résurrection. Fils de la résurrection, c'est très beau ça. Romains 8, 14. En effet, tous ceux qui habitent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça, c'est un des titres qui nous revient le plus souvent. En Galates 3, 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Bien sûr, Éphésiens 4, 22, 24 dit que nous sommes baptisés dans le Christ, un homme, une femme, nouveau, nouvelle. Et Galates, nous, et Éphésiens 1 aussi, et Galates nous rappellent que nous sommes fils adoptifs de Dieu. Et les actes, en 3, 35, ce que je trouve aussi de magnifique, c'est qu'il est dit vous êtes, vous, les fils des prophètes, fils de l'Alliance. Oh, ça, c'est magnifique. Nous sommes fils des prophètes, fils de l'Alliance. Ce sont quelques-uns de nos titres de gloire, parce que nous avons été sauvés, rachetés, baptisés dans le Christ, libérés du Satan et de la mort. Fils de lumière. Fils du jour, fils de Dieu, fils des prophètes et de l'Alliance. Waouh! Et par rapport à ça, justement, en Jean 17, 12, Jésus dit, « J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf
le fils de perdition. Aïe, aïe, aïe. Le fils de perdition. Mais j'attire beaucoup plus votre attention sur le fils de Dieu que nous sommes, pas par nous-mêmes, mais par la grâce. Tous ces fils que la parole de Dieu nous attribue, frères et sœurs, ne sont pas que des métaphores simples, des figures de style, des analogies, des images. Non, ce sont des réalités existentielles, bien sûr, données par Jésus. Tous ces titres que je viens de vous énumérer, et ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres, hein, mais ceux-là en particulier, tous ces titres ne peuvent nous être attribués sans qu'il y ait eu au préalable la rédemption de notre Seigneur Jésus sur la croix. Parce que la parole de Dieu me dit, tu es fils de Dieu étant fils de la résurrection. Et on sait que pour participer à la résurrection du Seigneur, il faut être baptisé, recevoir l'eau et l'esprit et renaître d'en haut. Donc tous ces titres relèvent d'une transformation surnaturelle par l'Esprit-Saint, qui est le fruit de Jésus mort et ressuscité. Tu sais, ce n'est pas un club, une secte qui décide par une révélation d'un gourou, de je ne sais pas quoi, de s'appeler fils de lumière. Parce que lorsque tu dis fils de lumière, déjà tu sous-entends une génération, une paternité, comme quelqu'un a dit parmi vous. Donc, pour être fils de la lumière, il faut que moi-même, je sois engendré surnaturellement par Dieu qui est lumière. Quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, il faut entendre tout l'enseignement de la Bible, et particulièrement du Nouveau Testament, où par cette communion intime à Jésus qui est lumière, je deviens lumière, mais pas par moi-même. Parce que Jésus est lumière, je deviens membre de son corps et je communie, je participe aux propriétés victorieuses de ma tête, qu'est Jésus, lui qui est la tête du corps que nous sommes, l'Église. Ça, c'est très important de comprendre ça. Dans le christianisme, je deviens lumière dans la mesure où je vis dans l'intimité avec le Seigneur par la foi, avec lui Jésus au Père, dans l'esprit. C'est à ce moment-là que je peux irradier de cette lumière surnaturelle qu'est la présence de Dieu en moi. Je ne suis qu'une lampe, je ne suis qu'un abat-jour. Mais une lampe réfléchit la lumière qu'elle protège, qu'elle porte. Mais la lampe n'est pas la lumière. Et pourtant, la lumière n'est pas la lampe non plus. C'est nécessaire la communion des deux pour que la lumière réfléchisse sur ce monde. Voilà pourquoi fils de lumière, c'est pas une espèce d'appellation, un vocable, un titre que l'on se donne. Ah non, ce qui est sous-entendu, c'est la transformation surnaturelle qui nous permet d'être appelés fils de Dieu. Je suis engendré par Dieu qui est lumière. C'est une réalité qui vient essentiellement de Dieu, et plus je dis oui, plus j'adhère par la foi à être lumière du monde, par pure participation à Jésus qui est la lumière éclairant tout homme venant dans ce monde, je deviendrai de plus en plus, là où je suis, un fils de lumière. Mais tu vois tout ce que ça implique en arrière. Quand tu étudies les Écritures, c'est pas n'importe quoi, hein? Mais quand tu prends conscience de ce que tu es, waouh, ça te donne une fierté, pas un orgueil, une fierté. Seigneur, c'est vrai, je suis fils de la lumière, parce que toi qui m'engendres en Christ, me revêtant du Christ, je deviens lumière. C'est extraordinaire. Et ça, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la prétention,
C'est une véritable humilité qui t'enseigne à accueillir ce que tu es véritablement. Là où tu es, peu importe ta mission, ta vocation, là où tu es, bien sûr, si tu vis en accord avec l'Évangile, hein? Une condition quand même, fidélité à la parole. Amen. Un autre vocable qui nous est attribué par le Seigneur dans sa parole, c'est « Vous êtes tous des fils de lumière, vous êtes des fils du jour. » Du jour, là, c'est pas le soleil en plein jour. Ce titre, retiens bien ce que je vais te dire, c'est un titre eschatologique. Parce que le jour dans la Bible, avec un grand J comme Jésus, le jour dans la Bible, c'est le jour du retour du Christ en gloire. C'est le jour de la fin du monde. Alors nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes fils du jour, c'est-à-dire signe aujourd'hui du royaume qui vient. Nous sommes fils du jour, nous sommes fils de l'accomplissement du plan de Dieu. Si tu veux, si tu comprends bien ce qu'est l'Apocalypse dans la Bible, et c'est l'Apocalypse dans la Bible, c'est pas... les éléments embrasés, les guerres, les montagnes qui s'écroulent, la lune qui devient aussi brillante que le soleil, etc. La véritable Apocalypse, c'est la révélation de Dieu et en lui, des fils de Dieu. Alors, lorsque nous dit que nous sommes fils du jour, c'est que nous sommes aujourd'hui déjà renés du royaume qui vient. Qui n'est pas encore parfaitement accompli, mais nous, par la grâce, nous y sommes déjà. Nous sommes les fils du jour. Voilà pourquoi Paul dira, mais vous n'êtes pas de la nuit, vous n'êtes pas des ténèbres. Parce que le grand jour de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est le jour de la manifestation glorieuse de Dieu. C'est pour ça que Jésus dira à plusieurs reprises, mon heure, mon jour n'est pas encore venu. Les Juifs comprenaient bien que Jésus disait, mon jour n'est pas venu. Mais tu te prends pour Dieu. Non seulement tu es un homme, mais en plus tu te fais l'égal de Dieu. Jésus n'a pas dit non, Jésus a dit oui. Je suis fils de Dieu. Alors Jésus est l'accomplissement de ce grand jour que les Juifs attendaient et attendent encore. Mais nous, par la grâce, cela est un don, nous sommes fils du jour. Mamma mia, c'est extraordinaire. C'est pour ça, comme la lecture que je vous ai faite cet après-midi, 1 Thessaloniciens 5, 1 et suivant, le disait justement, mais vous, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne, vous savez qu'il va venir le grand jour. Et en sachant qu'il va venir le grand jour du Seigneur, la parousie en gloire de Jésus-Christ, où toute chose va être transformée en lui, nous savons, frères et sœurs, que nous, déjà, nous sommes fils de ce jour. Déjà, nous sommes engendrés par la grâce dans ce que nous appelons la fin du monde. Et la fin du monde, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ce n'est pas négatif. C'est positif, c'est éminemment sain, la fin du monde. Si tu prends ça négativement, fin du monde, comme on l'entend dans les médias ou ailleurs, on n'a rien compris du message chrétien. Tu vois? Alors, tu t'imagines? Dans cet aujourd'hui, nous sommes fils du jour qui vient. Aujourd'hui, nous vivons ce qui vient. Déjà, en germe, un jour ce sera l'accomplissement. Et c'est pour ça que la parole de Dieu en Hébreux 6:5 nous dit « Ceux qui ont goûté la belle parole de Dieu, qui ont goûté la parole de Dieu et les forces du monde à venir. » C'est les prêtres aux Hébreux qui disent ça. Alors je suis fils du jour avec un grand J, retour du Christ en gloire, déjà j'y participe par la grâce, et déjà je communie aux forces du monde à venir.
La lettre aux Hébreux dit même qu'ils ont goûté aux forces du monde à venir, aujourd'hui. Ça, c'est notre vie chrétienne. Mais dans la mesure, bien sûr, on la vit par une vie sacramentelle profonde, bien enracinée dans la foi, une bonne connaissance des Écritures, l'amour fraternel, nous voyons peu à peu se déployer dans notre vie cette réalité des forces du monde à venir. Et le monde à venir, hein, c'est comme le décrit l'Apocalypse, hein, c'est la Jérusalem céleste qui descend sur la terre dans un événement de gloire absolument extraordinaire. Alors nous portons un titre eschatologique, parousiaque. Et loin d'être quelque chose de négatif, de peur, pas du tout, frères et sœurs. C'est un titre de gloire qui nous ouvre justement pour aller porter la bonne nouvelle. Amen. Alors Jésus aussi, en Jean 12, 36, le dit bien. Tant que vous avez la lumière, c'est-à-dire quand vous m'avez, moi, Jésus, croyez en la lumière, croyez en moi, c'est synonyme, afin de devenir fils de lumière. J'aurais dû en parler tout à l'heure, pardon. Mais croyez afin de devenir fils de lumière. Alors la foi chrétienne, nous le savons, ce n'est pas une autosuggestion. Je crois. Comme la pensée positive du Nouvel Âge, hein. Eux autres, ils appellent ça la pensée créatrice. À force d'y croire, tu viens avant qu'un de mes frères soit converti au Christ. Il avait mis sur la porte de son frigo une photo d'une BMW Sport. Et là, tous les jours, parce qu'il avait été à des cours du Nouvel Âge, la pensée positive et la pensée créatrice, il se mettait devant la photo, « Je vais l'avoir, ma BMW, je vais l'avoir. » Ben, il l'attend encore. Ça fait 40 ans. Mais heureusement, Jésus, lui, dans sa vie, là, il a arraché ça parce qu'il s'est trouvé tellement ridicule alors que nous avons tout en Dieu. Amen. Alors, non, la foi chrétienne n'est pas une croyance, hein, je vous l'ai expliqué. La foi chrétienne est une grâce surnaturelle qui nous donne la capacité d'entrer en communion avec le Dieu trois fois saint. C'est surnaturel. Il n'est pas donné à l'être humain, par ses propres forces, si intelligent soit-il, d'adhérer au message de Jésus et de croire en lui, nous révélant le mystère de la Trinité sainte. C'est surnaturel. Alors, quand Jésus nous dit dans l'Évangile selon saint Jean, « Croyez en la lumière, moi qui suis lumière, dit Jésus, » au chapitre 8 du même évangile, 8-12 du même évangile, « Croyez en moi qui suis lumière afin de devenir. » Donc, il y a un devenir, il y a une croissance, il y a une démarche. Voilà que la foi en Jésus lumière va peu à peu nous transformer et faire que nous devenions progressivement des fils et des filles de lumière. Ça, je trouve ça magnifique. Parce que Dieu le donne à ceux qui lui disent « Oui, Seigneur, je veux devenir ce que tu veux que je devienne. » Et là, par la grâce, le Seigneur le fait. Amen. Je ne reviens pas là-dessus, c'est clair, je crois. Tous fils de lumière, fils du jour. Bon. Ensuite, Jésus en Luc dit quelque chose de très beau. Luc 20, 36. Lorsqu'il dit, ils sont fils de Dieu étant fils de la résurrection. Ce qui est premier, c'est fils de la résurrection qui nous conduit à devenir fils de Dieu. Il dit la même chose que le prologue Joannique qui dit à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, fils de Dieu. Du Père en Jésus par le don de l'Esprit. Alors, son fils de Dieu étant fils de la résurrection, quand tu es plongé dans le baptême, qu'est-ce qui arrive? Tu renais à une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, l'essence de cette vie nouvelle, c'est la filiation adoptive par le Père
et le don de l'Esprit. Le grand fruit du baptême, c'est que nous devenons enfants de Dieu et non plus créatures de Dieu. Tu vois? Mais ça prend la rédemption, frères et sœurs. Ça prend la passion de notre Seigneur Jésus, tu vois? Sa mort et sa résurrection. Alors, étant fils de la résurrection, ça veut dire que dans la résurrection, il y a un engendrement par Jésus qui dit « Je suis la vie et la résurrection ». Et nous savons que tout remonte au Père. Alors, frères et sœurs, surnaturellement, nous sommes engendrés par le Père dans le Christ. Et c'est à ce moment-là qu'on devient fils de la résurrection. C'est pas juste un vocable comme ça, là. Waouh, c'est beau, fils de lumière, fils du jour, fils de la résurrection. C'est très beau. Mais quand on sait derrière tout ce que ça implique, t'es en plein mystère du surnaturel, hein? Le vrai surnaturel. Le vrai. Tu vois? Alors, tu peux te regarder, là, tu dis, waouh, je suis tout ça! Waouh, 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 waouh! Ben oui. Le passé merveilleux. Tu dis, ouais, c'est la réalité, je suis tout ça. C'est extraordinaire. Tu peux rire, là. Amen. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire? Ah oui, ah, oh, i, ah. Ça, je ne m'allongerai pas trop là-dessus, parce que ça pourrait être long, mais... Éphésiens 4, 22, 24. À savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie. C'est clair. Dépouiller le vieil homme... qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de Dieu. L'homme nouveau est donc fils de lumière, fils du jour, fils de Dieu, fils de la résurrection. Voilà. C'est ça, l'homme nouveau. Frères et sœurs, la réalité de ton cœur dans le Christ, la réalité de ta vie, mais nous y accrochons trop, ce n'est pas le vieil homme, c'est l'homme nouveau. Tu es une femme nouvelle, tu es un homme nouveau par la grâce du Christ. Le vieil homme est réellement mort en nous, mais il gigote encore. J'ai vu ça, hein? Quand mes chats chassaient les lézards, une des tactiques pour fuir les lézards, c'est qu'ils perdent leur queue, et la queue gigote. Fait qu'ils pensent, distraire le chat, eux ils foutent le camp, puis ils laissent là la queue. Moi j'aime beaucoup examiner les chats, parce que j'aime beaucoup cette petite bête. Et un moment donné, je me suis remarqué que mon jeune chat, mon Pato, mon chat de bras, le chat le plus connu au monde, parce que j'en parle partout dans le monde, j'ai remarqué que le chat s'est fait avoir quelques fois, mais j'ai remarqué qu'il a bien appris la leçon. Ensuite, il ne s'occupait plus de la petite queue. Mais le vieil homme, ça me fait penser à cette petite queue. Et là, on lui accorde de l'importance. Mon Dieu, qu'on lui accorde de l'importance. Plus tu vas lui accorder de l'importance, plus il va y avoir de l'importance. Ce à quoi tu devrais accorder de l'importance, c'est ce que tu es, c'est-à-dire un homme nouveau, une femme nouvelle. Là, tu dois mettre tes énergies, là, tu dois mettre ta force pour que cet homme nouveau que tu es, qui a revêtu le Christ lumière, le Christ amour, soit vraiment vainqueur en toi. Puis tu laisses les petites queues s'énerver. Arrête de focaliser toute ton attention, toutes tes énergies là-dessus. Bien sûr, cela ne vous concerne pas. Cher chrétien, arrêtez de flipper sur le vieil homme. Il est mort. Il est mort. Fait penser, j'étais avec des vieux prêtres. C'est une histoire qui est vraie, hein? Les vieux prêtres dans la soixantaine. Et les gens disent ça, ils parlent avec moi. Ouais, c'est un vieux qui était dans la soixantaine. Oui, oui, oui. 61 ans quand même. Bon, ça fait que... J'ai
invitaient ces bons vieux prêtres qui partageaient leur histoire. Puis une fois dans une de nos paroisses, il y avait quelques marches, il y avait une grosse pierre en bas des marches, sur un terrain en bas de l'église. Fait qu'à un moment donné, les portes de cercueil, comment est-ce qu'on appelle ça, les bonhommes qui s'occupent des pompes funèbres, ont échappé le cercueil. Fait que le cercueil, zoom, sur la pierre, là, il y a un bras qui s'y met à pompe, puis le bras bougeait. Les autres, ils nous racontaient ça, qu'ils étaient pliés, les bons vieux prêtres, c'était drôle. J'ai dit, c'est pas vrai, j'ai dit, vous avez pas vécu ça? Il dit, oui, ils ont échappé le cercueil. Là, il y a le cercueil s'est ouvert, puis un bras qui est tombé, avec les lampes, le bras bougeait. Là, ça a été la panique totale à l'église. T'imagines le défunt de la famille. Imaginez-vous la famille du défunt. Tu sais. Il est pas mort! Non, il est mort, mais il bouge encore. Mais tout le monde était focalisé sur le bras du cadavre. Mais souvent, on fait notre vie chrétienne comme ça. On met notre attention sur nos défauts, nos faiblesses, nos péchés. Et là, on flippe là-dessus, on n'arrête plus. Stop. Si on mettait autant d'attention à dire ce que nous sommes, Seigneur, je suis un homme nouveau et je veux régner sur tout mon être en homme nouveau. Amen. Puis arrêtez de focaliser sur nos vieilles affaires. Tu comprends? Amen. Amen. Alors, c'est vrai ce que je vous raconte. Ça devait être drôle, en effet. C'est arrivé, ça, hein? C'est arrivé. T'es en train de célébrer le funérail, hein? Bon. Le pseudo-mort frappe dans le cercueil pour dire « Je suis pas mort! » Ah, c'est arrivé avant, ça. Ouais, il était un temps jadis, hein? Heureusement qu'il a frappé à l'église. Hein? Non, pas dans le tombeau. Bon, continuons. Vous savez la réputation que j'ai dans ma paroisse, hein? D'être le meilleur célébrant des funérailles. Il y a même des vieux dans la paroisse qui disent, nous, on veut crever, on veut que ce soit le père Roger Paulin qui célèbre nos funérailles. On dit que ça avait de l'importance. Wow! Il y a des gens de Paris qui me téléphonent. Qu'on vient de célébrer, ils sont en train de crever. Là. Puis il faut appeler la famille en train de mourir. C'est pas péjoratif. Ça fait qu'ils téléphonent que je viens de célébrer leur funérailles. Ils attendent de mourir que j'aille à Paris. Franchement, 800 km pour aller célébrer le funérail. Bon, si j'avais un peu plus de compassion, mais je dirais, écoutez, il y a des prêtres dans votre coin, ils vont faire ça aussi, sinon mieux que moi, j'ai dit. J'ai trop de réputation. À la fin de la soirée, je prends vos signatures. Des blagues. Bon, j'aime beaucoup célébrer les funérailles. Parce que ça te permet d'évangéliser à fond. Hein. Oh, moi, j'annonce un salut en Jésus-Christ, mes amis. Des fois, devant des églises pleines, j'annonce Jésus comme seul chemin vers la vie éternelle et tout et tout. Hein. En 12 ans, je n'ai, frères et sœurs, ben, je ne suis pas obligé de prendre Dieu à témoin, que mon oui soit oui, mais mon oui est oui, jamais je n'ai eu une plainte de mes auditeurs. Jamais. Et pourtant, je n'y allais pas avec le dos de la cuillère. Hein. Jésus ressuscité, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui nous ressuscite. Oh là là, j'y vais. Hein. Et jamais on m'a manqué de respect, ou on ne m'a pas chanté quelques bêtises. Oui, sauf une fois. Des grenouilles de bénitier, des grenouilles de bénitier. Ils ont les doigts usés à force de se mettre l'eau dans le bénitier. Les autres, ils se sont plaints des vins comme quoi j'avais parlé de la joie dans une funéraille. La joie de la résurrection, j'en avais parlé. Mais la famille était hyper heureuse que je leur parle de la joie de la résurrection. Mais pas les grenouilles de bénitier. Mon père, ça ne serait pas de parler de la joie d'une funéraille. Ben, j'ai dit, c'est faux. C'est faux. La personne que tu pleures est partie rejoindre son Créateur et Père. C'est extraordinaire, c'est une bonne nouvelle, grâce à Jésus. Bon, je ferme la parenthèse. Il y a un titre que j'ai découvert cette semaine, en préparant ce petit enseignement,
Acte 3, 25. Je l'avais déjà lu sûrement une dizaine de fois. Vous êtes les fils des prophètes. Ça, on pourrait faire toute une étude sur ce vocable. Les fils de prophètes. Ça veut dire que nous sommes engendrés par l'esprit de prophétie. Fils de prophète, ça ne veut pas dire seulement une descendance spirituelle des prophètes, comme Jean le Baptiste, par exemple, qui a le charisme d'Élie pour marcher devant le Seigneur et aplanir ses chemins. Non, c'est beaucoup plus que ça. Nous sommes fils des prophètes en ce sens que nous entrons en Christ dans la réalisation, dans l'accomplissement des prophéties. L'accomplissement de la promesse faite à Abraham, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hey, tu vois, nous sommes fils et filles des prophètes. Et quand on dit ça dans la Bible, ça veut dire que nous sommes prophètes. Attention, ne mettez pas sur le mot prophète n'importe quoi. Prophète, ce n'est pas de la divination, ce n'est pas de la boule de cristal, ce n'est pas de la médiocrité. Déjà que tu sois chrétien, fidèle, déjà, tu es prophète. L'assemblée dominicale est une assemblée prophétique. Parce qu'elle dit au monde que Dieu existe, que le Sauveur existe, et que juste en allant à l'église, je prophétise. Où c'est que tu vas? Je vais à l'église, à la messe. Tu prophétises. Tu ne vas pas à la messe, voyons. C'est vieux, c'est ringard, c'est ci, c'est ça, le prêtre est ennuyant, etc. Toutes les excuses, blabla, là, qu'on nous fait. Mais l'assemblée dominicale est essentiellement une assemblée prophétique qui dit au monde, si on est là dans cette église, c'est parce que Dieu existe. Et croyez-moi, ça ne laisse pas le monde tranquille parce que nous allons à l'église. Croyez-moi. Mais tu n'es pas obligé de prophétiser sur ta ville. Déjà, je l'ai fait, je le fais souvent, je prophétise. Mais uniquement le fait que tu sois chrétien pratiquant, tu es prophète. C'est aussi ça, prophétiser, hein? Ben oui. Fait que toute ta vie, par ta pratique, par ta vie chrétienne, est prophétique. Elle annonce Dieu. Elle annonce Jésus-Christ. Quand même pas n'importe quoi ce que nous sommes, frères et sœurs, hein? Relevez la tête, hein? Pas par orgueil, par fierté, c'est très différent. Vous êtes fils des prophètes et fils de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand il a dit à Abraham, « En ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. » En ta postérité, qui est la postérité? Jésus. C'est Jésus la postérité. C'est toute l'argumentation de saint Paul dans l'Épître aux Galates, hein, et Romains. Romain. Quand saint Paul nous dit que Jésus est la descendance d'Abraham. Et Jésus dira dans l'Évangile selon saint Jean, hein, rappelez-vous, hein, Abraham s'est réjoui de voir mon jour avec un grand J. Alors j'aurais pu vous en parler des heures et des heures, mais trop c'est trop. Je vous ai donné déjà beaucoup aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Fils de l'Alliance, ça c'est très très beau. Et nous savons que l'alliance nouvelle et éternelle a été conclue dans le sang du Christ. Et nous sommes fils de l'alliance engendrés dans le sang du Christ. C'est la vie. C'est la vie. Mais un enfant ne vient jamais au monde. Vous savez quelque chose, les mamans? Sans déchirer. Et sans saigner. Non? Un enfant vit au monde dans le sang. C'est quand même puissant comme symbolique des choses. Hein? Voilà, c'était ce petit enseignement que je voulais donner sur Fils du jour, Fils de lumière, etc. Mais l'accomplissement n'est pas encore. Nous sommes en route. Comme dit saint Thomas, déjà, mais pas encore. Et nous sommes aujourd'hui en communion avec Christ et en lui, nous goûtons la belle parole de Dieu et les forces du monde à venir. Amen. Amen.
ça suffit.